Non, ça goûte l'odeur, genre. Le savon, genre. Voilà, ça goûte le Ça savon. goûte le savon. Mais ça goûte le savon sucré, genre. Attends, mais je vois comment expliquer. Ça goûte le savon sucré, il a dit. Bon, yo tout le monde, vous avez vu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une dégustation de nos sauces françaises pour la deuxième fois. Donc là, cette vidéo-là, c'est la partie 2. On l'a déjà fait il y a à peu près 2 mois, non? Non, longtemps, what? Il y a... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, plus que 2 mois. Donc il y a peut-être 5-6 mois. Il y a quelques jours, je lui ai demandé de me donner des suggestions de nos sauces françaises. Il y en a qui m'en avaient donné, là. Donc là, on en a acheté quelques-uns, là. Voilà. J'étais avec Bijou quand je l'ai acheté, mais la première fois, j'étais seul. Donc là, on a vu certaines nourritures à acheter. Et lui-même, il connaissait certaines nourritures françaises déjà. Et il m'a donné des idées de les acheter. On va tous les goûter aujourd'hui. Voilà. Il y a des quoi. boissons, des bonbons. Il y a aussi un céréale. J'ai dit que c'est français, ça. Ça, je savais même pas. J'ai vu, c'est français. Ça, je le connaissais pas. Donc là, on va aussi. Le goûter, on va voir. Bon, on va commencer avec ça ici, Kinder Country. Quand, comment ça avec que c'était français? C'est toi qui as dit que c'était français. J'ai vu ça dans une vidéo. Donc, t'es pas sûr? Parce que derrière, c'est écrit. Je te dis, c'est français. Les gars, c'est juste c'est la marque. Ouais, ça, c'est de l'Allemagne. Mais ça, c'est la marque. C'est de l'allemand. Ouais, la marque est allemande. Tout est en allemand, frère. Tout est en allemand derrière. Non, oui, Kinder. Oui, Kinder. Kinder. Oh, Kinder, c'est vrai, c'est allemand. Kinder. C'est ça. Kinder. Ça veut dire enfant, je pense. Kinder. Ah, c'est vrai. Je pense à ça. Mais... Kinder surprise, enfant. Surprise, bref. Enfant, ouais. Je pense qu'on peut prendre une barre. On peut prendre une barre et partager. Non, oh, on partage une barre. Non. Imagine que vous n'aimez pas, donne. Non, mais oh, je viens. Je prends une deuxième. Ok. On partage une. Au cas où, je ne sais pas, on n'aime pas. Attends, on goûte en même temps. T'as déjà goûté? On goûte en même temps. T'inquiète. Je ne sais pas goûter, mais ça a l'air bon. Vas-y. Oh, ça a l'air aussi? Non, il n'y a pas d'arachide dedans. Oh, chocolat blanc. Oh, ça a l'air bon. Allez, okay. 3, 2, 1. Oh, ça a l'air bon. J'aime pas un truc à l'intérieur. De l'arachide? Des noix. Ouais, du blé. Du blé. Ça va rentrer. C'est ça, on goûte. 7 sur 10. Et ça goûte le café. Ouais, à la fin, ça goûte le café. Non? Oh ouais. Je veux dire, on dirait des Kit Kat, mais c'est pas des Kit Kat. Pas du coup. En vrai, c'est Kinder. Bon. Ça va. C'est quoi ta note sur 10? 6,5 sur 10. Mais moi, non, moi 6,8. 6,8 okay. Ça passe. Non, voilà. Toi, t'as aimé ou pas? 6. 6. T'as pas dit que ça allait être bon? Hein? Où est le deuxième? T'en prends le deuxième ou non? Ouais, je prends. Okay. Ça, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, hein, je pense. Mmh. Lourd. Les loups. Même, ouais, dans la vidéo, on a déjà mangé du loup, mais c'était des. Un truc à la fin. Mais en vrai, loup, ils ont plein de choses. Hein. Oui, ils ont plein de choses. C'est une grosse marque, on dirait. Créateur de biscuits, ouais, c'est des biscuits. On a déjà mangé dans la dernière vidéo, mais c'était pas celui-là. On voulait chocolat au lait, mais on a juste vu chocolat noir. C'est celui-là qui est chocolat noir. Ouais, c'est ça. On n'a pas vu chocolat au lait là-bas. Oh, c'est vrai, ouais, on va prendre le paquet, frère. On ne peut pas prendre tout ça, tout seul. Moi, j'ai déjà goûté. Moi, j'aime. Vous avez goûté ça? Quand? C'est comme les biscuits au Canada. Oh, les célébrations là? Ouais. Ah, ok. Oui, ils sont balèzes, hein? Ah non, ok. Ah non, ça va. Ça, c'est les goûters des riches, à ce qu'il paraît. Tu dis? Ouais. Toi, toutes les nourritures sont des riches, là. Parfait. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il a regardé la date d'inspiration pour voir s'il est inspiré. C'est ça? Attends. Bon, on y va. 3, 2, 1. Moi. C'est juste le chocolat noir. Mais le chocolat noir, c'est bon apparemment. Pour la santé, c'est pas mauvais. Oh, moi, j'aime. C'est juste qu'il est amer, c'est tout. Même pas l'amer, il est quand même sucré pour du chocolat noir. Ah, hein. C'est moi, en France, ils changent un peu les trucs avec le chocolat noir. Voilà, vraiment. Ouais. Vraiment. Oui, ça, moi. C'est comme les célébrations, là. Mmh, on oublie les goûts manger. On ne peut pas. Depuis quand? On oublie. On mange tout. Ou si tu veux pas manger tout, laisse celui-là, tu vas finir. Mais incroyable. C'est comme les célébrations sauf que c'est le chocolat noir. Hein? Non, là, on a plus trop de chocolat, non? Chocolat, ouais, chocolat. Boisson, j'ai soif. On a pour une boisson. Je commence déjà à avoir soif. Choisis un ou deux. 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 Ok, deux, c'est les oasis. J'allais dire qu'après. Arrête-y. Non, les gars. Ces boissons-là, c'est Bijou qui a dit qu'on devait en acheter. Et je lui ai dit, si j'étais allé seul, il y a tellement de boissons que je n'aurais pas acheté. Parce qu'il y a tellement de choses que je n'aurais pas acheté tout seul. Moi, je serais allé. Je suis en train de lire les commentaires des gens qui ont proposé des boissons et je suis en train d'acheter ce que vous avez dit d'acheter. Mais lui, il a des choses à dire. Oh, je connais ça. Une vidéo de rappeur. Comme de rappeur vu ça. Oui, Kobe a dit, je pense, son oasis, c'est le orange, le normal. Non, ils sont là ou pas? Ah, non, on l'a pas. Oui, on l'a. On l'a aussi, on l'a pris. On a tout. Attends, donc,
Tu me dis qu'il y a des rappeurs qui boivent ça dans leur club, genre? Non, genre dans des interviews, par exemple. Des choses comme ça? Ouais, la famille boit ça comme ça. Ah. Attends, on goûte les trois en même temps ou on goûte... On commence avec un, on commence avec un, on commence avec un. Et c'est pas gazeux, hein. C'est comme du jus. C'est pas gazeux? Non, c'est comme du jus. Ouais. Bon, les gars, on va goûter du Oasis pour la première fois. Oasis cassis pomme. Cassis framboise, qu'est-ce que tu dis? Oh, framboise. Bon. Oh, l'odeur. Ok, attendez. Non, 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 bon. On va tous en même temps. Il n'aime pas beaucoup, frère. On y va. 3, 2, 1. Ouais. Ouais. Moi, j'aime. C'est bon, on dirait que c'est juste vraiment du jus. C'est juste, de la framboise, genre. Ouais, ça, c'est comme. On dilué. Sent. Ouais, dilué. On sent. C'est comme Minute Mind, genre. Ce qu'on fait à la maison. Minute Mind, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Moi, j'aime. Toi, tu donnes combien? C'est bon. J'ai pas de notes. Tu donnes combien? Moi, je donne 7,8 sur 10. Hein. Ça, c'est bon, c'est du jus. Moi, je donne 8. On est là avec trop de chocolat. Là, on va aller un peu. On va changer. Ouh, ça, j'ai vu ça. Les Haribo. Ça, quelqu'un dans les commentaires a décidé d'acheter. J'ai oublié son nom, frère. Oh, il va se reconnaître. La personne, quelqu'un a dit Haribo Schtroumpf. Haribo Schtroumpf. On y va. Oubliez. Vas-y, prends-moi. On a chacun d'abord. Bon. Oh, ça sent plus chimique qu'au Canada. Ouais, ça sent plus chimique. C'est allemand aussi. Okay. Attendez, non, les gars, la en France. Haribo. La marque Haribo est allemand, ça te fait dire? Je sais pas. Kinder, ça c'est allemand. Bref. En France, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Allemagne? Parce que ça aussi, derrière, c'est écrit en allemand là. C'est dur aussi, on dirait. Quel chimique? Ça sent chimique. Ça sent chimique? Ça sent genre le bleu chimique. En vrai, ça modifie les trucs chimiquement. C'est comme tous les bonbons, genre. Mais... Ouais. Jujubes. Ouais, tous les jujubes. Mais c'est comme tous les bonbons jujubes. Mais j'arrive pas à voir le chimique que tu dis là. 8. J'arrive pas à voir le chimique que tu dis. Moi, 8. Tu sens l'odeur, tu sens que ça a été modifié. Alors, rien, j'en ai pour la route. Et tu donnes combien de jumeaux? 7,7. Maintenant, il va pour. Ça. Encore un Kinder. Bisous, t'as dit d'acheter. Mais on dirait des brownies, ça, hein. Kinder là, c'est une grosse marque. Hein. Il y en a ici aussi, mais c'était fait en France, c'est ça? Ouais. Non, c'était fait en Allemagne, c'est plus en France. Non, je sais pas. Pourquoi tu me demandes à moi? Non, c'est toi qui m'as dit que ça venait en France. Je sais pas. C'est toi qui as dit d'aller acheter, c'est toi qui as dit d'acheter. Je sais pas. Donc, tu savais. Italie. Oh. Oh, c'est italien. Tu sais pas lire alors? C'est pas de l'italien en tout cas. Oh, mais ça, c'est vraiment de l'italien, je ne sais pas lire. Oh. Là, c'est de l'italien, mais attends, laisse-moi. Oh, c'est vrai, c'est le même truc que Monsieur Ferrero. Prodotto di Partita. Ça, c'est de l'italien? C'est de l'italien? Erzen, Samen, Wasnen. En plus, les trucs avec les deux points en haut là, c'est de l'italien. Ok, mais peut-être ça, c'est, okay, ça, voilà. Peut-être ça, c'est voilà. Un produit d'Allemagne. Donc ça, c'est l'Italie. Ça, c'est l'Italie. Par les deux. Et les deux. Okay. Les deux. Mais c'était écrit en Italie, mais après, c'est allé aux deux. Voilà. Okay. Ouais, c'est pas les Kinder, ça veut dire enfant quelque chose. Les gars, regardez ça. Amine, il y en a plein qui font des de français. C'est ça, ouais. Mais bon, tu vois. C'est pas bizarre ça, attends. Ça là, il y en a qui mangent ça tous les jours et nous on mange ça pour la première fois. Pour le goûter. Ouais. Mais c'est ça. Mais il y a des choses que eux, ils mangent pas tous les jours, mais que nous on mange tous les jours. Ah ouais, il y a une différence aussi, c'est vrai. Dites-moi dans les commentaires, vous venez de quel pays et qu'est-ce que vous voulez que je goûte de votre pays. Ouais, c'est trop sucré. Moi, ça passe. Il y a combien de trucs de sucre? C'est un peu trop sucré. Un peu trop sucré. 16 grammes de sucre. Dans une barre. Moi, j'en... Un peu moins sucré, ça serait encore plus bon. À 7,1. Mais avec du lait, ça serait bon, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est 7,1. Toi, tu dis combien? Un 6.
6. Moi j'en ai 5.7. Ouais, c'est sucré. Moi j'en ai 5.1. Avec du lait, ça va diluer, tu vois. Si tu le prends dans le lait, tu le sors. Non, quand tu le manges et tu bois le lait, quand tu le prends, ça va tomber, tu vois. Ah, c'est bon. Vas-y, vas-y, j'en suis décollé. Ah ouais, c'est un peu trop sucré. Ouais. C'est sucré, c'est vraiment sucré là. Mais bon. Et moi pour le prochain, après on va manger un peu trop de sucre là, on va se relaxer un peu avec les capricornes. Les gars, dans la première partie, on a pris des capricornes, mais. C'est quoi la saveur? C'était orange, banane, ananas. Ouais, c'était un mélange orange. Comme ça. Ah, ok, orange, banane, ananas. C'était un mélange comme ça. Mais là aujourd'hui, on voulait prendre. Tu voulais vous prendre quoi déjà? Comme le simple, genre. Le capricorne simple. Le basique, là, le normal. Ouais, le basique, genre. Mais... Je sais que vous savez c'est quoi, de quoi je parle. Eux, ils savent de quoi tu parles. Mais les gars, c'était un peu chaud, tu vois. Quand j'ai vu le prix, là. Donc là, j'ai décidé d'en prendre un, tu vois, genre, à l'unité, quoi, tu vois. Donc là, on en a pris trois différents. On n'a pas la même saveur. On prend elle, Non, mais est-ce qu'on prend tous le même ou bien on sépare? On sépare, on sépare. On peut pas séparer un capucin, hein. Moi? On peut pas prendre un capucin, non. Moi, je prends, c'est la même que moi. C'est Julien qui a pas la même. Ou on va te faire goûter. Moi, j'ai. Saveur. Ça, t'as du quoi déjà? Fun alarme. Banane. Non, j'espère qu'il n'y a pas de banane. J'aime pas les. Il y a des bananes? Non, il n'y a pas de banane. C'est du citron. C'est quoi ça ici? C'est du citron. Pomme. Tu sais quoi? Ah, pomme. Qu'est-ce que je dis? What? Pourquoi j'ai dit banane? J'ai confondu pomme et banane. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Attends. Yark, moi, il y a une banane. T'as fait exprès. Toi? T'as fait exprès parce que. Mais le fruit du dragon. Regardez ça, les gars. Il y a une banane ici. Donc, je comprends pourquoi il m'a donné ça au plus vite. Genre, il s'est obligé de prendre ça. Mais bon. Attention, attention. Capricorne, des fois, c'est dur à ouvrir. Je trouve ça facile, c'est ça? Hein? Je trouve ça facile, Qu'est-ce que tu viens de faire? Comment tu viens de te renverser? Ah, ok, mais ouais. Attends. Bon, on va essayer. De ce côté. Ouvre-le. Mets-le comme ça serait plus facile. Je remets l'air là, tout comme ça. Et là, c'est facile. Ok. Là, c'est simple. Ah! Ah! Désolé, Bijou. C'est ta faute. C'est toi-même qui m'a. Bref, commençons. Bon. 3, 2, 1. Moi, ça coûte trop la banane. Moi, j'aime ça. Montre un peu. Je ne vais pas mettre ma bouche. Je ne vais même pas ma bouche. Juste presque comme ça. Attends. Go, continue la dégustation. Oh, j'aime. Mets ta paille. Attends. Ça est trop compliqué. Juste, je presse comme ça. Donner le reste alors. Non, je veux pas beaucoup. Non, je vais te donner le reste. Presque dans ma bouche. Presque dans ma bouche. Je veux pas beaucoup. Presque dans ma bouche. Oh, il est bizarre. Tu veux? Presque. Attends, on va voir si ça marche. Ah. Non, mais j'ai pas envie, il y a ta paille déjà. Laisse-moi mettre ma paille. Enlève ta paille, je mets ma paille. Mais y a quoi? Tu touches pas ma paille, Bijou. Ok, la prends. Okay, tu donnes combien? Tu donnes combien? Un 8. Moi, j'ai un 8.4. Ça, c'est bon. Ça, c'est meilleur que ça. Ça, on goûte la banane et la fraise. Laisse-moi goûter. Quoi, bien? Ça ressemble au smoothie. Un smoothie? Ouais. Ouais, c'est ça. Et on sent même pas le fruit de la passion et la pomme. On sent la fraise et la banane. Ouais, la banane, c'est tout. Mais les gars, fraise, moi je suis pas trop content, je suis pas trop fan de celui-là, donc je donne un 6. Ouais, je donne un 8.4. Une autre saveur qui a été bonne, c'est celle-là. Ou la basique, on devait tester la basique. Ouais, mais il y avait pas à l'unité. À l'unité, il y avait juste ça là. Ouais. Donc peut-être la prochaine fois on va prendre la basique. Ou dites dans les commentaires c'est quoi les meilleures saveurs de capucine que vous connaissez. Et peut-être dans la... il n'y aura pas de partie 3 de notions françaises. Vous pourrez avoir ou pas? Peut-être, ouais. Peut-être, on ne sait jamais. Ouais, parce qu'il y a d'autres notions qu'on connaît. Oh là, on n'a pas pris des chips. Ça va, on avait pris des chips. Zut alors. T'es bête continue. Ouais, bon, il y va. Ouais, peut-être. Hein? Bête continue. C'est bon, arrête. Je sais voir l'anglais. Ok, go. Bon les gars, le suivant serait... Oh, ça aussi, quelqu'un dans les commentaires. Oh, Dragibus. Ouais, ça j'ai vu. Dragibus Haribo. À ce qui paraît, les noirs, c'est les pires. C'est les pires? Je crois que t'as les... Yo, maintenant, attends. Bon, nous, les bonbons noirs. Ah, ok. Les bonbons noirs, c'est les pires. Les bonbons noirs. Ok, je t'ai pris genre 10 secondes pour y penser. Là, j'ai dit, les noirs, c'est les pires. Les bonbons noirs, c'est les pires. Les bonbons noirs, c'est ok. On goûte pas le bonbon noir pour l'instant. Voilà. On goûte une autre saveur et après on va goûter le noir. On va tous goûter le noir. Comment tu sais tout ça, genre par rapport au bonbon amis? J'en ai fait une vidéo, Squeezie, tout ça. Ok, c'est bon, vas-y. Moi, je prends le rose, parce que voilà, c'est ça le meilleur. Je vais te suivre. Moi, si je vais te suivre.
On te suit, hein, t'as dit que c'est le meilleur. 3, 2, 1, go. C'est dans la gomme. Je crois que c'était un gomme qui s'avale. Ça s'avale? Non, mais non. Ça, ça a la texture de la gomme. C'est quoi ces sensations? Ça ressemble à un bonbon que je connais. Attends, un bonbon qui est au Canada. C'est les trucs là? Un peu. Vous avez un médicament? Non, mais bon! Ça goûte trop sérieux, genre. Je sais pas ce que tu dis. Un faux bonbon. Ça goûte la fraise. Sauf la fraise chimique, genre, la fraise bonbon. On goûte une autre couleur et après on goûte le noir. On goûte le bleu. Goûtons le bleu. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est à la couleur. Ok. T'en prends orange. Je vais rester avec le rose là, j'ai pas fini encore. Allez-y. Ça se goûte d'un coup, non? Moi j'ai pris d'un coup. Ça, ça goûte la baie. La baie? Le bleu, genre. Ok. Ça goûte le citron. Le vert? Mmh. Ok, quelle couleur vous avez pas pris? L'orange. Pour le noir. Attends, vous avez pas pris l'orange, hein? Le jaune. Le jaune et l'orange, c'est pas tout. Ok, bon, on va prendre le noir. Goûtons le noir. Attends, attends, tout le monde a même temps, tout le monde a même temps. Attends. Il y en a rien. 3, 2, 1, go. T'as même pas avalé, attends. Goûte bien d'abord. C'est goûter les chaussures. T'as déjà goûté les chaussures? Moi j'aime. What? Attends. Non, ça goûte l'odeur, genre. D'un savon, genre. Voilà, ça goûte le savon. Ça goûte le savon. Let's go, on a eu le même avis. Donc c'est ça. Mais ça goûte le savon sucré, genre. Attends, mais je vais pas m'expliquer. Ça goûte le savon sucré, il a dit. Au début, il y a un goût de savon. Sucré. Donc là, mais ça goûte pas le savon. Ça goûte pas le savon. T'as acheté du sucre dedans, tu l'as avalé, c'est ça? Au début, ça goûte le savon. Après, ça change directement, genre. Moi, j'aime. Comment vous aimez pas? Dites-le les commentaires si vous aimez pas le noir. La ribo. Les bonbons noirs, c'est vraiment bon. Radibus noir. Moi, j'aime. Et je te donne combien? Une moyenne. 8. 8. Tout? 8? Ok. Moi, j'en ai 7.5, 7.7. Moi, j'en ai genre 7. Le noir, même peut-être le noir c'est mon préféré pour l'instant. J'ai pas aimé le bleu, l'après-goût du bleu. Mm-hmm. Le rouge j'ai aimé et le noir j'ai aimé. Ah, vous avez aimé le noir? Mais où ça goûte le savon? Comment t'as aimé le savon? Je dis j'ai aimé. Prends un autre alors. Ok, c'est bon, on a compris. What? J'aime. On va pas goûter les deux autres, on le goûte ou pas? Après. Après. Avant d'aller avec le dernier, il y a ça qui reste. On va en prendre un, lequel on prend? On prend les deux, on goûte les deux. Non. Parce que l'autre va le garder. Ils ont gardé l'autre. Arrête! Quoi? Pourquoi? Mais parce que c'est de la France, donc je peux pas boire ça comme ça. On choisit attends, un. Attends, c'est quoi le tropical? Hein? Tropical. Tropical, c'est un fruit? Mais le tropical, genre ananas, orange, okay, tout ça. Ok, ok. Non, tropical, c'est comme ananas, mangue. Orange? Orange, c'est pas trop. Orange, c'est tropical. Donc les gars. Moi, je sais pas, non! Moi, je sais pas. La couleur, elle est un peu chimique, on va pas se mentir. Ça va pas trop confiance, genre. Là, c'est égal. C'est moi qui ai le moins, mais bon. Comment t'as eu le moins? Vous avez les gros yeux. Vous avez les gros yeux. C'est moi qui ai eu le moins pour l'instant. Merci. C'est bon, t'es content? Bon, les gars. Je n'ai pas ça. 3. Bon, on y va, les gars. Ah, non, ça sent. Non. Ça, c'est genre le. Ah, non, je connais plus. Le dragon, fruit du dragon. Quoi, tu dis? Attends, non, même pas. Non. Ça va, je vous donne ça. Tu fais de la passion. Goya, c'est ça, voilà. Goya, c'est ça que je cherchais. Ça se trouvait pas le mot. Attends, c'est pas ici. Ça sent le fruit de la passion aussi. Qu'est-ce que tu racontes, bijou? C'est pas le fruit de la passion. Il y a des petits trucs dedans, non, des graines et tout là. Ça sent pas du tout le fruit de la passion. Ça sent le goya. Fruit de la passion, merci. Ouais, mais il y a orange aussi, puis tout. Fruit de la passion, c'est comme 0,0% là. Attends, orange 6%, fruit de la passion 0,1%. Mangue 0,08%. Oh, ça sent un peu de mangue. Tu sais que je t'ai pas vu la vidéo? Il fait quoi? T'as vu? Non, j'ai fait ça. Ah, ok, j'ai dit que t'avais vu. Okay. On y va, les gars. 3, 2, 1. C'est mieux que l'autre. Ça goûte l'orange. Ouais, on sent beaucoup. Non, moi, je préfère l'autre. Je préfère pomme cassis. Non, moi, je préfère lui. Celui-là, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Il goûte plus l'orange que les autres. Attends. Ça sent vraiment l'orange. Temps, et un peu de fruits de la passion, on sent pas du tout à la mangue. Ouais, on sent mélangé plein de fruits, mais il y a aussi beaucoup d'eau. Ok, mais c'est expert. Mais oui, ça c'est l'eau.
comme c'est carrément de l'eau. Ah. C'est de l'eau avec un peu de jus concentré là. On a pour celui-là ou pas? Attends. Ouais, on y va, on teste. Non, on fait après tous les trucs qu'on a mangé pour balancer. Non, mais ça, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est l'avant-dernier. L'autre, le dernier, on va voir tout à l'heure. C'est vraiment le dernier. Ah, ok. Donc, il va pour celui-là. Ouais, on goûte. Et on va faire un top des Oasis. Ouais, ouais, parce que le préféré, je pense, c'est le. C'est celui-là. Moi, c'est le Pomme Cassis. Celui-là. Ça, c'est Pomme Cassis. Cassis framboise, d'où tu sors ton pomme cassis? Cassis framboise, pas. Ah, depuis que tu dis pomme cassis, je suis comme. Hein? Parce que. Pomme cassis! Pomme cassis! Tribu? Ah, ok! Je veux pas vous mentir, il me faut pas trop confiance. Même moi, attends, c'est moi, genre, le pire. Genre, tu mets un poire dans le jus, genre. Poire, mais bon. Non, poire, c'est bon. Dans le jus. Moi, j'aime ça, j'aime goyave, poire. Ça. J'aime poire, le fruit. Ah, mais le jus de poire, je n'aime pas trop. Ouais, c'est goût la goyave. Il y a des graines dedans, là, ouais. Et tout. Oh, la couleur. Vas-y, pipi. Ça sent le jus de pomme. Ça sent, ça, oh, ça sent beaucoup la pomme. Ok, ouais. On dirait que c'est du jus de pomme. 3, 2, 1, go. C'est du jus de pomme. Vraiment. On goûte pas vraiment la poire. Avec un peu de poire. Est-ce qu'on goûte la poire? Non, même pas. Moi, je dis ça, c'est 1, tropical 2, pomme cassis 3. Ça t'a pas aimé le pomme cassis du tout? J'ai aimé, mais je me rappelle plus vraiment du goût. Mais je sais ce que j'ai aimé trop, trop calme. Mmh. Mmh. Ouais, j'aime bien. C'est pas trop trop gros la poire. En plus, la pomme. Moi, mon top, comme on ne sent pas vraiment la poire, je vais mettre pomme cassis, premier. Pomme, pomme poire, deuxième. Tropical, troisième. J'ai pas aimé trop le tropical. Moi aussi, j'ai pas trop aimé le tropical. Toi, c'est quoi ton top? Tropical, dernier. Cassis premier et ça deuxième. Bon, les gars, on est pas pour le dernier maintenant. Et le dernier, les gars, ça c'est le plus gros. Des céréales. Des céréales Chocapic. Bon, on va goûter ça. C'est Bijou qui a encore suggéré d'acheter ça. Il m'a dit qu'il a vu ça où? Des vidéos YouTube. Hein. Donc là maintenant on va goûter ça. En plus c'est écrit là, fabriqué en France. C'est bien, c'est officiel là. Donc là on va goûter ça. Et si c'est bon, est-ce qu'on va continuer à en acheter ou pas? Pourquoi pas? Oui ou non? Tu veux aller jusqu'à Montréal pour acheter des céréales, ok? Mais on peut aller jusqu'en France même, hein? Vas-y. Juste pour acheter des céréales. Vas-y. Donc, c'est bon les gars, je vais aller chercher les bols et un peu de lait là. Non, moi je prends comme ça. Non, on va goûter comme ça et avec un peu de lait, justement. Ah. Ok, j'ai jamais juste de bol là. Et juste justement, on va prendre avec les lettres, ça va manger comme ça. Donc, attendez, j'arrive dans quelques secondes, parlez avec la caméra encore là. Oh, on peut prendre ça avec de l'eau? Non, merci. Oh non, ça devient un petit déjeuner complet. Pour un petit déjeuner complet, accompagnez vos céréales de 125 ml de lait demi-écrémé, un verre d'eau, fruits frais, un des 5 portions de fruits. Et de légumes recommandés par jour. Enfant de 4 à 5 ans. Cuillère à soupe. Oh, enfant 4 à 5 cuillères à soupe. Chopa kick. Ça met tout d'abord, on va manger sans rien. On met le lait d'abord ou le céréal avant? Moi, je mets le lait d'abord. Le lait d'abord. Ok. D'ailleurs, on met le lait d'abord. Comme ça, tout à l'heure, ça va s'enverser peut-être. Mais plus du tout. Non, pas ça. Chose qui me dégage. Ok. Je veux juste un peu, hein. Ouais, pas beaucoup. Genre, vraiment pas beaucoup. C'est bon, ça. Mais puis je prends un peu aussi. De quoi? De céréales? On prend ton verre comme ça. Ah, ouais. Ça, c'est... Ouais. Okay. C'est bon? Ouais. Bon. D'abord, on goûte sans rien. 3, 2, 1. Ah, j'ai vu que c'était collé. C'est le design? On dirait, toi, les céréales de Tim Hortons, non? Non, on dirait les céréales des enfants. Toi, les céréales qu'on donne aux bébés, là, les trucs de pommes, là. Moi, ça goûte le blé et le chocolat, on ressent en dernier. Goûtons avec le lait. Mais c'est santé, au moins. C'est santé. Goûtons avec le lait. Et on y va. Et un peu. Attends. Je vais mettre un peu de céréales. Ils sont pas renversés. J'ai mis un peu de céréales. Bon, les gars, on y va. 3, 2, 1. C'est quoi?
Est-ce qu'il s'empâte? Non. Je suis mitigée. Ça goûte vraiment le blé. Ça goûte trop le blé. Le blé 100% français. Blé ça, complet. C'est le blé qui blé complet, genre c'est fait blé, avec le blé. Là. Ah. Non mais c'est santé, là. C'est pas juste du chocolat sucré 100%, c'est du blé, c'est vrai, ça doit être santé, tu vois. S'il y avait un peu plus de sucre, je pense que j'allais aimer. Oh, mais tu l'ajoutes quand même, ton sucre. Tu donnes combien? 3 sur 10. Je donne les céréales santé. Je vais donner 6,5. Au moins ça passe. Ouais. Mais c'est mieux santé que mauvaise pour la santé. Mmh. C'est ça. C'est mais, les céréales mauvaises pour la santé sont plus bons. Mmh. Hein, hein? Ouais. Ouais. Tu vois, ça sont plus bons avec le goût. Avec le goût. Ouais. Mais c'est pas bon pour la santé. Ouais, je sais. Mais c'est ça. Mais c'est mieux que c'est bon pour la santé avec du chocolat que c'est mauvais pour la santé. Ouais, je sais. Ouais. Bon. Bon. J'ai fini mes céréales, les gars. Bon. T'as pas dit que c'est chimique? C'était le premier à c'est fond. Chimique. T'as pas dit que c'est chimique, c'est pas bon. Mais j'aime quand même. Ah. Bon, les gars. Voilà pour la vidéo. Like. Abonne-toi. Dites dans les commentaires si vous voulez une partie 3 encore. Mais là, je pense qu'on a déjà... Ok, on n'a pas mangé tout ce qu'il y a en France, là, quand même. Mais on a mangé la majorité. On a mangé la majorité. Mm-hmm. Sinon, si vous voulez une partie 3... Dites dans les commentaires. Et suggérer des choses. Suggérer des trucs parce que là, je pense que j'ai mangé trop de trucs. Là. Je capte des bonbons, des biscuits loups, des chocolats loups, Haribo et tout ça. Donc, juste dites dans les commentaires si vous voulez qu'on mange certaines choses, des choses qu'on n'a jamais mangées. Si tu as vu la vidéo, la partie 1 et la partie 2 maintenant, si tu as vu quelque chose qu'on n'a pas mangé, dis-le dans les commentaires. Je vais essayer de les choper. On pourra faire une partie 3. Mais bon, on va pas aller à faire 20 parties de goûter les choses françaises. Là. C'est bon. Là. Juste peut-être, 3 maximum. 3, peut-être un maximum 3. Mais s'il n'y a vraiment rien d'autre à goûter, c'est tout quoi. Juste donner des suggestions d'autres nourritures que vous voulez qu'on déguste de n'importe quel pays. Mais quelqu'un m'a déjà dit des nourritures maghrébiennes. Westerners. C'est quoi pas? Ouais. Mais bon, juste dites dans les commentaires ce que vous voulez. Like. Abonne-toi si vous avez fait. Plus pour une nouvelle vidéo.